Centrale ? Je vous écoute, 26. Hey, joignez le contrôle aérien. Faudrait les prévenir qu'un petit malin se balade en avion par ici sans lumière. Bien reçu. Venir voir le match. Il paraît que tu veux pas te taper 5 heures de bagnole pour un match de foot. J'aime pas trop la foule, tu le sais. En plus, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reste pour maintenir l'ordre. Tu peux faire du bateau? C'est une couverture. Et c'est sûr, inaperçu, c'est ça. À dimanche. Et une seconde. T'as vu où t'es garé? Sur un accès pompier. Oui. S'il y a un feu, vas-y. Change-la de place. Oh, mais s'il te plaît, prends-en bien soin. Un broti. Bonjour, shérif. Bonjour. Bonjour. Bonjour, shérif. Encore une belle journée. Oui, ça c'est sûr. Ah, salut, salut. Ray. On te reconnaît pas quand t'es en civil. Bah, c'est mon jour de congé. Ça devrait être tranquille ce week-end. Ouais. Je veux plus de tes énormes omelettes. D'accord, chef, mais tu les adores. Je sais, mais... Merci. Ça va, les gars? Ouais. Eh ben oui, chef. C'est votre camion que j'ai vu dehors? Vous transportez quoi? Des pièces détachées. Ouais. Mm-hmm. Faut qu'on soit à la Nouvelle-Orléans avant demain midi. Oh, bah ça fait une sacrée virée. Ça oui. Que oui. Mm. Combien on doit? Garde la monnaie. Merci. On va prendre la route. Ouais, conduisez prudemment. Pour sûr. Merci, les gars. Salut. Vous faites fuir la clientèle, shérif. Vous voulez rien manger? Shérif. Non, c'est gentil, Christy. Je ferai mieux d'y aller. Au revoir. À tout à l'heure, Ray. À toutes. On pourrait faire un autre trou du cul à un éléphant, les mecs. C'est à moi, file. Attends. Hey, fais-y gaffe, hein. Il sait pas que c'est ta première fois. Ça va aller. C'est bon. T'es prêt? Ouais, ça y est. T'inquiète, tu fous! Non, Je croyais qu'il était en congé. Chut, chut, chut.
Je vais parler. Salut, Ray, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Vous pouvez m'expliquer pourquoi les deux tiers de mes forces sont ici en train de tirer des roquettes dans des quartiers de bœufs? Bien le bonjour, Ray. Tu as un permis pour ce monstre? Ouais, je l'ai là. Trouve-lui une serviette ou un torchon, il dégueulasse son uniforme. Et toi, tu as des morceaux de bœuf sur le chapeau. Des morceaux de bœuf? Oh. Ah oui, c'est vrai, ça fait crade, je te remercie. Voilà. Une autorisation pour un musée des armes anciennes? C'est ça. Tu as un musée ici? On le paie dans nos impôts. Il est ouvert tous les seconds jeudis du mois entre 12h et 15h, et c'est pour toute la famille. Oh, pardon. Tiens. Merci. Ray, je suis vraiment désolé. Ray, on s'amusait un peu, c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose à faire en ville, c'est mort ce week-end, alors... On s'est trouvé une occupation. Oh, c'est vrai? Oui. J'ai une occupation pour vous. Ah, super. Deux camionneurs qui se sont arrêtés en ville. Mmh. Ils n'avaient pas l'air heureux de me voir. Je les sens pas, ces mecs. Vérifie ces plaques pour moi. Je m'en occupe. Dès que tu sais, passe-moi un coup de bigot. Waouh, hey, t'es sacrément gaulé, tu fais de la muscu. Je l'avais prévenu pour le recul. Donne-moi cette saloperie. Et fous-moi le camp. Avant que je change d'avis et que je te dresse un procès verbal. On sera tranquille ici. Ah, c'est bon, vous êtes tous prêts? C'est parti, patron. J'adore. Patron? Ouais. On a eu des problèmes avec le fermier. Comment? On se laisse ennuyer par un fermier? Que veux-tu que je te dise? Faut y aller, les gars! Je lui parlerai. Je sais y faire, moi, avec les fermiers. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça irait mieux si vous me disiez ce que vous faites sur ma propriété. Je m'appelle Burel. Voilà, je fais des films publicitaires. Vous en avez sûrement vu à la télé. Et votre propriété serait parfaite pour... Pardon? Fichez le camp de mes terres. Et les gens pour qui je bosse seront prêts à vous dédommager. Sans rien faire, vous pourriez gagner... Vous entendez ce que je dis? Hein? Vous voulez même pas entendre ce que j'ai... Ce que j'ai à vous offrir? Non. Vous savez ce que moi j'ai à offrir? Si vous déguerpissez, je vous farcis pas votre petit cul. Eh, mon vieux, je serai vous. Je rangerai mon joli jouet pour pas m'exploser le gros orteil. On discute tranquille. On a fini de discuter. Maintenant, foutez le camp en vitesse. Très bien. Vous avez eu le choix. Vous voulez pas prendre l'argent? Alors prenez le plomb. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est embarrassant de devoir coffrer son ex-petit copain. À qui la faute? À celui qui vole, toi. Non, je pensais, à qui la faute si on a cassé? Je t'arrête tout de suite, on va pas parler de ça maintenant. Mais si, en fait, on parle d'autre chose, mais en réalité, on parle de ça. T'as de l'aspirine? On n'est pas dans une infirmerie.
Qu'est-ce qui t'a pris? Oh mon Dieu, non. T'avais tout. T'étais intelligent, très populaire, t'étais un excellent athlète. C'est vrai, t'avais un avenir tout tracé à la fac, si tu t'étais pas fait virer de ton équipe. Tu veux vraiment qu'on en parle, ok? J'ai servi mon pays en Irak et en Afghanistan. Non, je suis pas en train de te parler de la guerre, là je te parle d'un mec qui se fait arrêter pour trouble sur la voie publique à cause de l'alcool. On n'est plus ensemble, qu'est-ce que ça peut te faire? Salut Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut mec. Ah, attends. Ouais, voilà. Ça a pas été facile. Vous sortez encore ensemble ou quoi? Faut voir. Non. On est vraiment obligé de l'enfermer ici? Ouais. Pourquoi? Parce que le patron a dit qu'il fallait qu'il reste coffré pour le week-end. Voilà pourquoi. Tu me montres pour les plaques? Allez, file-moi ton papier. Alors, je ne le ferai qu'une fois, c'est clair? Ouais, très clair. Fais attention. Les plaques, j'ai fait les recherches. Enregistré au Nevada, le conducteur est un certain Burrell Thomas. Pas de casier. Super. Beau boulot. Merci. T'as pas fait tout ce chemin jusqu'ici que pour me dire ça. Il faudrait que je bouge. Aller quelque part où il y a un peu d'action, où je pourrais exister. Comme quand tu bossais au stup à LA. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi t'en es parti. Le truc le plus excitant que j'ai fait ces 4 derniers jours, c'est récupérer un chat dans un arbre. Somerton a son charme. Peut-être, mais je suis jamais sorti d'ici. Je commence à devenir cinglé. Tu pourrais m'aider à trouver un job à LA. Los Angeles, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, je comprends très bien que tu as envie de bouger. Tu es jeune, tu veux vivre des aventures. Quand j'avais ton âge, tout ce que je voulais, c'était habiter Los Angeles. Je voulais ma part d'action. Maintenant, en y repensant, je ne ressens pas la même chose. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, naturellement, je vais t'aider. Bonjour. Merci d'être venu si rapidement à une heure si matinale. Il s'agit d'une opération top secret. Dans 45 secondes, on va emmener un prisonnier dans le couloir de la mort. Ce prisonnier, c'est Gabriel Cortez. Et Cortez est le boss du cartel le plus tordu depuis Pablo Escobar. Faisons en sorte que ce type ne voit plus jamais la lumière du jour. Personne n'est au courant de ce transfert. Bon boulot. Ah.
avec elle. Listez-deux, avec moi. J'ai IPN dans les escaliers. Vous deux, vous venez avec moi. Bloquez les ascenseurs. Les autres, sécurisez le bâtiment pour que personne ne sorte. Edgewood Avenue, renfort et soutien aérien. Deux hommes à terre. Cortez a disparu. Non. C'est ma caisse, c'est ça? Ta femme est enceinte, hein? Pose ton flingue. Richard! Richard! Terre, j'ai vu. Merde. Alors? Alors? Non. Je veux que vous fermiez tous les aéroports aux pistes d'atterrissage privées dans un périmètre de 150 km. C'est un truc de dingue. Alors soyez dingue. Je veux voir toutes les caméras de surveillance donnant sur la rue. Vous vous chargez de ça et de me retrouver leurs plaques. No tiene nada, serio. Combien il t'a payé?
quiere saber cuánto dinero le pagó él. ¿Qué me paga qué? Il ne voit pas de quoi vous parler. Tu me prends pour un idiot? J'ai l'air complètement con. Vous voulez que je lui traduise ça? Non, je veux que vous lui demandiez pourquoi est-ce qu'il est habillé de cette manière. Pourquoi tu es habillé de cette manière? Quiere saber por qué está vestido así. Yo amo al equipo de Holanda. ¿Y qué? Il dit être supporter de l'équipe de foot hollandaise. Qu'est-ce que j'en ai à faire? L'équipe de football. Et ils portent leurs couleurs. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ok, je vais jouer le jeu. De quel pays cette équipe de foot vient-elle? Este pendejo quiso quebrar mi brazo. Il dit que vous lui avez fait mal quand vous l'avez interpellé. Il cherchait quelque chose. Je craignais pour ma vie. Alors j'ai essayé de vous attraper et j'aurais dû le faire plus fort. Ce sont des mensonges. Ah, alors comme ça, tu me comprends. Si vous parliez espagnol, vous auriez remarqué que je le parlais très mal. Ok, petit malin. Tu faisais quoi dehors à 4h du mat? On est à Vegas, mec. Chef, je peux vous voir? Oh, Hans, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, shérif, c'est Christy. Je vous réveille pas? Oh, non, 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 non. J'étais déjà sur la brèche. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, je viens d'ouvrir et c'est bizarre, le livreur n'est pas encore passé livrer le lait. Tu crois vraiment que ça concerne la police? Monsieur Parsons nous livre du lait frais très tôt tous les matins. Tu n'as pas pensé à lui téléphoner? Cette vieille tête de mule n'a pas le téléphone. Oh, c'est vrai. J'avais oublié. J'ai peur qu'il ait eu une attaque ou un malaise. Désolée de vous avoir réveillé. Je savais pas qui appeler. Il n'y a personne ici. Tu as fait ce qu'il fallait faire, Christy. Je vais envoyer un de mes hommes vérifier si tout va bien sur place. Ça te va? Merci, chérie. De rien, au revoir. Cortés et ses hommes ont abandonné la berline blanche et ont pris deux véhicules. Et d'après ce que nous avons, Cortés serait allé dans celui-ci. Arrêt sur image. C'est quoi ça? Oui, Mitchell, il s'y connaît. Mitchell, viens voir. Monsieur? Faites un gros plan. Aaron, c'est quoi comme voiture? C'est une ZR1. C'est quoi, une ZR1? Une Corvette ZR1. Celle-ci a été gonflée pour les salons. C'est un monstre. Elle faisait la une il y a 2 jours. Elle a été volée au salon de LA. Normalement, ce genre de voiture a 700 chevaux sous le capot. Celle-ci doit en avoir plus de 1000. On a un psychopathe en Batmobile. Comment je vais l'arrêter? Ben, faut la faire sauter. Et s'il a des otages? Allez, faites diffuser partout cette photo. C'est la voiture que nous recherchons. La voiture qu'on cherche est une Corvette ZR1 gonflée. Oui, c'est bon, je viens de recevoir une photo. Je vous préviens dès que je la repère. Oui, monsieur? Les papiers du véhicule. Tout de suite. Mon permis de conduire. Et la carte grise. Yeah.
Fais gaffe, cowboy. On débarque pas chez Parsons comme ça, tu sais comment il est. Allez. Monsieur Parsons, c'est Jerry Bailey. On est venu voir si tout allait bien, alors s'il vous plaît, ne nous tirez pas dessus, d'accord? Oh. Merde. Faisons le tour par derrière. Ouais. Dimanche, tu veux pas essayer la porte d'abord? Monsieur Parsons? Je vais voir en haut, fais le tour en bas. D'accord. Vient d'exploser un barrage, mais il pourra pas prendre d'avion. Je veux un barrage ici, à Bullhead City, infranchissable. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il est sur la 95, il veut atteindre le Mexique, mais il n'y arrivera pas. Pourquoi il prend pas un hélicoptère? Une ZR-1 est plus rapide qu'un hélicoptère. Il n'y a pas que ça. Il est la troisième génération des parrains du cartel. Il se croit intouchable. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il tient à être au volant. Au sens propre. Comment ça? Cortez conduit des bolides depuis son adolescence. Son père lui avait fait construire son propre circuit. Il court en professionnel en Amérique du Sud sous un pseudonyme. Je l'ai vu courir. Il est bon. Silence! Silence! Bannister. Vous passez une bonne journée? Ça va pas tarder. Ça ne peut se terminer que de deux manières. Et vous savez quoi? Les deux me vont très bien. Avec votre petite fliquette morte ou vive, je peux la découper en 1000 morceaux et vous les envoyer un par un. C'est ce que vous voulez? Vous avez déjà tué un agent fédéral, Gabriel. Tuez-en un autre, et je vous promets que le monde ne sera pas assez grand pour vous cacher. Comment allez-vous expliquer à ses parents le retour de leur fille dans des sacs plastiques? Alors voilà ce qu'on va faire, John. Vous rappelez vos hommes et vous dégagez de mon chemin ou votre agent est morte. Les deux me vont. Laissez-moi lui parler. Je suis désolée, John. J'ai tout fait foirer, je suis vraiment désolée. Je vais te sortir de là. T'entends, t'inquiète pas. Je vais te sortir de là. Si vous essayez de m'arrêter, un grand nombre de gens vont mourir sans raison. À vous de voir comment vous allez jouer la partie. Pour l'instant, je ne suis qu'un gentil garçon qui se fait une balade. Pour l'explosion, c'est pas gagné. Tu la fermes, s'il te plaît. Oui? Visuel une corvette ZR1 gris métal qui se dirige vers le sud sur la route 95. L'otage est visible dans le véhicule. Il arrive sur vous, chef. Bien reçu. Craignez rien, on l'aura, votre gars. Beaucoup ont dit ça, mais Cortez leur a prouvé qu'il se trompait. Alerte maximum. Et n'oubliez pas qu'il y a un otage dans le véhicule. Il va entrer en Arizona. Il sera bientôt sur vous. Bien reçu. On est en position.
dans 5 minutes. Action. T'es bien assise ? Je veux que tu profites de mon petit show. Quoi ? Chemin. N'oubliez pas, c'est une scène de crime. Surtout, ne touchez à rien. Ne t'inquiète pas. Bon, alors voilà le topo. On a une fenêtre cassée. Regarde, ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Je pense que personne s'est rentré chez lui et a surpris le cambrioleur, tu vois? Enfin, moi, c'est ce que je pense. Vous avez cherché des traces de pneus devant chez lui ? Ils sont arrivés en premier. Je vais aller voir. Va avec lui. Oui, chef. Allez, montre-moi le corps. Il est par là. Oh, Seigneur. Pas de traces de brûlure au point d'entrée. La balle l'a transpercée et l'est ressortie. C'est pas un pistolet qui a fait ça. Tu vois par où ils sont partis ? Vers le canyon. Allons voir. $3 millions sur un compte en Suisse, c'est ce qui était convenu. Tu sais quoi ? Dans mon pays, les flics disent gracias une fois qu'ils ont été grassement payés. Si tu continues à conduire comme un malade, est-ce que tu pourras me libérer ? Oups, désolé. Ça te fait quoi ? Ça m'excite à mort. Quoi ? Merde, on vient de la perdre. On l'a plus en visuel. Quoi ? Quoi ? Retrouvez-le-moi. On va faire un tour.
disparu. Comment ça, il a disparu? Regardez mieux que ça. C'est pas possible, vous devez mal regarder. Retrouvez-le-moi! On l'a perdu. On va le chercher. Porte de merde! Il a été tué dehors. On a transporté son corps à l'intérieur après les faits. En combien de temps il peut atteindre la frontière? À cette vitesse, je dirais 65 à 75 minutes. La frontière vers laquelle il se dirige est un canyon hyper profond. Vous pouvez me grossir l'image, s'il vous plaît? Il devra passer ici, à Los Algodones. Je connais le shérif en charge dans ce coin. C'est un dur à cuire. Et le poste frontière a été rénové l'année dernière. Des murs en béton armé, des barrières de sécurité en acier rétractable, c'est une forteresse. Cortez ne fonce pas droit dessus sans avoir réfléchi au truc. Quoi qu'il ait prévu, il faut s'y préparer. Envoyez nos meilleurs éléments à Algodones, il faut renforcer cette frontière. Et cette petite ville-là, Summerton Junction, il n'est pas censé y passer, mais c'est la ville la plus près. Une seconde. Ce ravin est trop profond pour être traversé. On ne sait jamais. Faut rien négliger. Je vais appeler le shérif et lui dire de dégager les lieux. Oui. Shérif Owens? C'est moi. À qui ai-je l'honneur? John Bannister du FBI. On a un gros souci. Bon, expliquez-moi. Un dangereux fugitif cherche à franchir la frontière mexicaine. Il y a une infime chance. Il passe par Somerton. C'est peu probable. Ils viennent dans votre coin, mais je vais envoyer une unité du SWAT Del Centro à tout hasard. Ne vous vexez pas, mais je préfère qu'il gère la situation. Je peux pas vous parler pour l'instant. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Le FBI dit qu'il y a un dangereux fugitif qui va venir par ici. Merde. Les emmerdes, ça vient jamais seul. C'est pas une coïncidence. Les routiers pas très clairs, cet assassinat. Il doit y avoir un lien. Il faut prévenir Bailey et Torres. C'est quoi cette lumière? C'est eux, tu crois? Toi, tu crois qu'ils sont assez cons pour traîner dans le coin? Eh merde, file-moi le cloque. Arrête-toi, arrête-toi! Qu'est-ce que c'est que ça? On a suivi les traces de pneus jusqu'au canyon, au sud de la ville. Il y a des gens, on n'est pas tout seul. On va aller voir à pied. Négatif. Vous revenez immédiatement. C'est clair. Passe-le-moi. Ray, il y a beaucoup de lumière. Il se prépare un gros coup ici. Ray, vous me recevez? Ray, vous me recevez? Arrêtez-vous! Jerry, sauve-toi! Vision nocturne.
Éteignez maintenant. Ça va, Jerry? Tu peux venir jusqu'à moi? Ouais! Ouais! Négatif, je ne vois aucune lumière. Bon. Ça va, vous deux? C'est affreux. Il n'arrête pas de saigner. C'est rien, ça va aller. Ray. Elle trouve la plaie et appuie fortement. D'accord. Je suis désolée. Ça va. Attention, le sang sur les uniformes part pas super bien au lavage. Ça fait rien. De toute façon, c'est toi qui me le nettoieras et tu feras ça très bien dès qu'on t'aura rafistolé. Tu crois que Frank serait jaloux s'il nous voyait? Je crois qu'il est temps de dire à ton copain qu'il perd son temps, tu vois? Je sors pas avec les prisonniers. Oui, lui aussi, il t'adore. C'est ça. Accroche-toi, Jerry. Je t'en supplie. Jerry, allez, accroche-toi. Il faut faire vite. Je suis là. Hein, accroche-toi, Jerry. C'est fini. Ray. Jerry.
Sarah ? Sarah ? J'arrive pas à le croire. C'est de toi qui m'a parlé. Quelques minutes avant de mourir. Il a dit quoi ? En gros, il a dit de pas trop t'en vouloir. Que t'étais pas si mauvais. Comment ça, les flics vous ont posé des problèmes ? Écoute, moi... Est-ce que vous serez prêt ? Oui. Ce sera pas un problème. J'attends de toi que t'assures ta mission. Je ne veux pas d'excuses, bidon. Oh, chier. Bannisseur. Le SWAT peut être là... Quand ? Dans 45 minutes environ, pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'aide. Votre fugitif a l'intention de passer la frontière ici. Comment ça, y a pas de passage à Somerton ? Le canyon à côté de la ville est vraiment très étroit. Tous ces hommes sont là, une vraie armée, avec artillerie lourde. Ils vont poser un pont d'assaut pour passer au-dessus du canyon. Vraiment, vous êtes sûr ? Sûr et certain, je les ai vus. Il y a même eu une fusillade entre nous et ces gars. Alors qui c'est, ce fugitif ? Gabriel Cortez. Quoi ? Putain, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ? Mon adjoint serait encore en vie si j'avais su ça. Bon, j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer ça en détail. Pourquoi vous n'envoyez pas une patrouille voir ce qui se passe ? Je ne vous connais pas du tout, alors je n'ai pas à vous répondre. Fils de pute. Il m'a encore accroché au nez. Putain de plouc de shérif. Phil, appelle-moi le commandant de SWAT. Ok. Et maintenant, lancez-moi une carte détaillée de Somerton. Je veux vérifier un truc. Monsieur. Commandant. Il y a une chance que Cortez puisse traverser la frontière à Somerton. Allez là-bas, et si vous voyez un pont, détruisez-le. Bien reçu. Un pont d'assaut mobile. Le SWAT, droit devant. C'est quoi ta solution ? La mort ne vient pas quand on l'attend. Quand on conduit un bolide. Ou lors d'une fusillade. Elle vient te faucher un soir dans ta cuisine quand tu te verses un verre de lait. Ma nièce. L'aînée de ma sœur. C'était une chouette fille. Je l'ai pratiquement élevée. Cette nuit-là. Je l'ai trouvé pointant un Glock sur moi dans la cuisine. Si elle n'avait pas hésité, ce serait ma cervelle qu'on aurait retrouvée un peu partout sur le sol au lieu de la sienne. SWAT ne vient pas. Alors on est tout seul. Mais dans ce cas, qui va essayer d'arrêter Cortez ? C'est le boulot des fédéraux. Ils devaient s'occuper de son transfert. Ils l'ont paumé. C'est pas notre problème à nous autres.
Oui, c'est vrai. Mais s'il traverse notre ville, ça va devenir notre problème. Bon, alors, on pourrait peut-être ne pas être là pendant une petite demi-heure. Si on fait ça, autant mettre notre insigne à la poubelle. Ray, une fois. Je regrette. Jerry est mort à cause de ce gars-là. Ray, tu me connais bien. Je suis pas un lâche, ça non. Ça me ferait super plaisir de coincer ces salauds qui ont tué Jerry. Mais Cortez, on n'est pas de taille. Il a une armée. Écoutez, si vous voulez quitter le navire, ça ne me dérange pas. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais je ne laisserai pas ce type traverser notre ville sans combattre. Moi, je suis à fond avec vous, Ray. Ray, vous allez avoir besoin d'aide. Je vous offre la mienne. Est-ce que tu crois que tu es toujours aussi bon tireur? Ça s'oublie pas, ce genre de choses. Frank, je t'ai vu tellement de fois commencer et ne pas finir. Jerry était mon ami. J'ai jamais laissé tomber un ami. Fais-le sortir. Considère que tu es mon adjoint. Je vous laisserai pas tomber. Ok, ok. Ça fait quatre chez nous. T'es content? Phil. Sors les relevés de compte de tout le monde chez nous. Même les miens. Pas d'exception. Cortez a une taupe chez nous. Quelqu'un qui l'a prévenu de la date de son transfert. Je veux savoir qui c'est. C'est clair? Il faut que je vous dise, quand on s'est fait tirer dessus, j'étais morte de peur. En fait, j'arrêtais pas de trembler, j'arrivais pas à me maîtriser. Mais c'est tout à fait normal. Tout le monde ressent ça durant une fusillade. Je vais te dire un secret. C'est sûrement moi qui ai le plus peur de nous deux. Quoi? Ça se peut pas. Si, parce que j'ai vu trop de morts et de sang. Je sais ce qui va se passer. Demandez à Washington de nous envoyer des images satellites de toute la zone de Somerton.
Si le shérif dit vrai, on va avoir une centaine d'agents fédéraux en station tout autour de Los Algodones en train de glander sans raison. Comment les déplacer en vitesse ? On peut envoyer un avion de McCarren. D'accord. Prêt ? Oui, mais comment on va combattre toute une armée avec quelques fusils et des couteaux ? Je crois que j'ai une idée. Il y a deux conditions à respecter avant qu'on fasse affaire. Qu'est-ce que c'est ? Je veux moi aussi être adjoint, comme Franck. Du coup, tous les dégâts qui seront causés le seront par un représentant officiel de la loi au service du shérif de Somerton. Pose ta main dessus. Par la présente, je nomme Lewis Dinkum, adjoint au shérif à partir de ce jour, et ce jusqu'à ce que ses services ne soient plus requis par les citoyens de Somerton. Témoin. Je suis témoin. La suite ? Hein ? La seconde condition. Oh, je veux être celui qui se sert de Giorgietta, c'est-à-dire être le seul à m'en servir. D'accord. Allons-y. Enfin, toi aussi, tu peux la toucher. Et toi aussi, Franck, tu peux l'utiliser si tu veux. C'est très gentil, Lewis. On y va, oui ou non ? Oui. Voilà ! Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une beauté. Où est-ce que tu l'as eue ? Vicky ? C'est ma petite tueuse de nazi. Une mitrailleuse Vickers de 39. Ma petite salope à moi. Bon, naturellement, c'est pas légal de l'utiliser. Mais j'ai oublié de la déclarer, alors... bon, théoriquement, elle fonctionne, mais bon, ce sera entre Jésus et nous, hein. L'oncle Sam n'a pas besoin d'être au courant. Tu as des munitions ? Ouais, quelques-unes. Apporte-nous tout ce que tu as. Qu'on part aux croisades. On sait jamais. Sur la rue principale, dans 5 minutes. Il nous faut le plus de véhicules possible pour faire un barrage. Moi, je vais conduire Henrietta. Tu as des prénoms pour toutes tes merdes ? Juste pour les merdes que j'aime. En route. Je prends un brief à l'atterrissage. Non, maintenant. La police des frontières a envoyé une patrouille qui sera pas sur place avant 1 heure. Et la garde nationale ? Trop long. Et l'armée fait quoi ? Elle attend les ordres du président. On n'aura rien dans les prochaines 45 minutes. Bon, Cortez doit passer par la rue principale pour accéder au canyon. La seule autre solution, c'est Alzamora. Torrens, t'emmènes Frank et Lewis et vous me bloquez ce coin-là. Figgy et moi, on va prévenir les habitants. Ok. Ha ! Salut, Ray. Écoutez-moi. Un prisonnier en fuite va traverser la ville. C'est trop dangereux de rester ici. Je veux que vous rentriez tous chez vous. Vous avez entendu ce que je viens de dire ? On vient juste de commander. Il s'agit de votre sécurité. Tu parles à un septuagénaire qui a du cholestérol et qui mange des œufs, du bacon et des tonnes de cheddar. Tu crois vraiment que j'ai peur de mourir ? Me regarde pas. J'ai commandé le même petit-déj. Moi, je viens de les lancer. Où est Christy ? Parti chercher du lait.
Alors ne vous approchez pas des fenêtres. Restez loin des fenêtres. D'accord, ça on veut bien. Bon alors, c'est quoi le plan? On n'a qu'à mettre ton camion de l'autre côté et placer des bagnoles à côté. Non, j'ai une meilleure idée. Faut mettre des trucs plus gros. Ouais. Trois bagnoles peut-être? Ça devrait suffire, non? Hey! Qu'est-ce que tu comptes faire? Approchez pas! Non, c'est un poteau électrique! Non, ça c'est pour le téléphone! Les poteaux électriques, c'est là-bas! Mais je te parle pas de ça! Si tu bousilles ce poteau, on aura plus de réseau jusqu'à la mer! Là, c'est parfait. On va foutre les bagnoles. Putain de merde! Nom de Dieu. John? Tenez, regardez ça. C'est quoi? Ce sont les images satellites qu'on a reçues. Il y a une vue du canyon de Somerton. Regardez, là. Il y a un pont? Oui. J'arrive pas à le croire. Le shérif avait raison. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? En 1988, Ray Owens est entré dans les forces de police de Los Angeles, dans l'unité d'élite. Il est resté au stup pendant 5 ans et a démissionné. Pourquoi? Il a démantelé un réseau qui possédait 500 kilos de coke. Il a reçu une médaille et 5 balles dans le corps. Il a survécu, mais 7 de ses collègues y sont restés. Après ça, il a arrêté. Il a dû en avoir marre du sang et il s'est retiré. Il est devenu shérif à Somerton. Là-bas, il en faut 2 de plus. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fabriques, Dinkum? Oh putain! Mais t'as complètement pété les plombs ou quoi? Et calme-toi! J'y suis presque, chérie! Dinkum! N'en fais pas ça! Dinkum! Dinkum, ça va? Oh mon Dieu! Ça va ou pas? Henrietta! Ça a marché? Bravo, cher adjoint. Beau boulot. Ray, il va nous falloir du plus lourd que ça. J'ai une idée. Torrance. Notre barrage est au point. Bon, dis à Duncan et à Martinez de me rejoindre à l'école. Je veux que tu montes sur le toit du vieil hôtel. Ce sera toi qui seras mon guetteur. Figgy, va vérifier qu'au sud de la ville, il n'y a personne, ok? Moi, je reviens vite. Ouais, j'y vais. C'est l'heure du tir au pigeon. Sur la rue principale, je vois des hommes arriver par le sud. Ne tirez pas. Attendez qu'on soit là. T'inquiète pas, Ray. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on va bien se marrer. Il y en a 2 qui vont sur la gauche. Et 2 sur la droite. Tirez sur tout ce qui bouge. S'ils bougent pas, tirez quand même. Quand on en aura fini avec ces connards, on brûlera cette putain de ville de merde.
Christy! Qu'est-ce que tu fais là? Christy, faut que tu fiches le camp! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a des bagnoles garées n'importe comment? Quel cul de rêve! Faut que tu dégages de cette rue, ma belle! Pourquoi est-ce que tu t'es mis derrière une voiture? Je pourrais tuer pour ce cul-là. Putain! Viens derrière moi! Baisse-toi! Allez, bon sang, vas-y, tire! Va dans le resto, vas-y, reste caché! Merde! C'est tout ce que t'as? Ah non. Regardez-moi cette fouine sous son petit chapeau de merde. Tiens, ça y est, je m'ennuie là. Sortez l'artillerie. Oh, merde. Ouais, faut lui offrir quelques bons souvenirs. Putain de merde. Ça maintenant. Shérif. Mettre tous en position. Ah, ça y est, je suis prêt, chef. En route, ma belle troupe. Andare. On est en place! Laisse-toi, Storette, d'où nous arrivent les coups de feu? Derrière vous, sur le toit du resto! Couvrez-moi, les gars! Oui, chef! Ah.
Comment tu te sens, shérif? Vieux. Oh, tu as encore de belles années. Oh mon Dieu, vous êtes blessé, shérif. Il faut l'aider, voyons. Je vais regarder. Non, c'est rien que des bouts de verre. Par où on monte sur le toit? Par là. Sarah, faut la prévenir. Dis-moi la radio. Quoi? La radio. Mais on n'a jamais eu de radio. Mais on a des noobs chaque coup. Couvre-moi. Hein? Je te couvre. Il est malade. Peut-être bien. Sortez ça! Oh, oh putain de cloche! On ne passe pas. Tais-toi, la vieille. Madame Salazar. Shérif. Je vous remercie. Foutez-leur une branlée, Ray. D'accord. Figgy. Lewis, où est-ce que tu vas? Figgy est là-bas. Va chercher Dinkum, je te couvre. Je suis là. C'est bon. On y est presque. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis adjoint du shérif. Oh. Thank you.
queue. Je suis là. Viens à l'espèce d'enfoiré. Allez, tire. Putain, t'es où? Salara. Tu veux jouer? J'adore jouer. Très bien. Oh, shit. Dead. Lâche ton arme. Mais putain, qui tu es ? Je suis le shérif. Tu es très séduisante, agent Richard. Et rien ne pourrait me faire plus plaisir que de te montrer à quel point je suis excellent. Mais comme tu as été otage dans une affaire de fuite de prisonniers dangereux, considère cela comme un cadeau d'adieu. Comment ça ? Quoi ?
Tu as bousillé ma caisse. Tu as bousillé mon jour de congé. Tu veux que je te dise ? Tout ce que t'as à faire, c'est me laisser traverser cette frontière. Putain, il y a 12 000 Mexicains qui débarquent chaque jour. C'est bien qu'il y en ait un qui parte. Non ? T'en dis quoi ? C'est à cause de mecs comme toi qu'on les juge mal. Dans ce cas, discutons un peu de mon expulsion, ok ? Carlos, un momento. C'est mon banquier personnel. Donne-lui juste ton numéro de compte, tu seras plus riche de 5 millions de dollars. Et on se sépare, bons amis. $10 million. Mêlée. Où je le fais. Peut-être dans tes rêves les plus fous. Ton heure est venue, grand-père. Moi, ma vie ne fait que commencer. On joue. $20 million pour regarder de l'autre côté. Mon honneur n'est pas à vendre. J'emmerde ton honneur. Tu es en état d'arrestation.
cavalerie qui arrive. John Bannister, FBI. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Cortez? Le shérif est à sa poursuite. J'avoue m'inquiéter plus pour lui que pour votre Cortez. On dirait que vous avez de la chance. Seulement cette fois, j'ai une surprise pour toi. Allez les gars. Richard ? Ça va ? Oui. Je vais bien. Je suis tellement désolée. Ce type a failli me tuer. Je suis si contente de te voir. Oui, moi aussi. Content qu'il t'ait pas tué. Ça va m'apporter une satisfaction. Celle de pouvoir te passer les menottes, moi-même. Vous avez l'habitude d'être ensemble pour voyager. Mais pour votre gouverne, les banquiers suisses ne sont plus aussi discrets qu'avant. Allez-y. C'est pour ça que j'ai tiré, monsieur. Mais je peux marcher, même si j'ai des blessés en faisant mon devoir d'adjoint du shérif. Ça va aller, je veux pas de ça. Et regardez tous, là, Ray, Martinez, Torrance. Je marche tout seul. Enfin, si Christy veut m'aider un peu, elle a le droit. Merci, ma jolie. C'est quand tu veux. Figgy ! Figgy ! Oh, oh, pardon, désolé. Wow. Désolé. Fais-moi voir, fais-moi voir. Ah, oh, c'est un calibre 50. C'est du 50, oui, c'est du 50. Et ça fait 50 fois plus mal. Putain. Regarde ça. Oh, et toi, t'as des blessures? Ben, moi, ça va. Merde. Oh, attends, t'as rien. Du 0,50. On finit notre rapport et on s'en va. D'accord. Mais c'était pas gagné. Comme je le disais, je vous avais totalement sous-estimé, shérif. Ça va, merci. Vous êtes un sacré représentant de la loi. Et vous êtes sacrément tenace. C'est vrai. J'ai défendu ma ville. Impressionnant. Impressionnant. Shérif. Garde-la. Tu l'as mérité. Merci, Ray. Jerry aurait voulu que tu l'aies. Merci. Ray ! Ray ! Mais tu peux me dire ce qui est arrivé à ma voiture ? La prochaine fois, tu te gareras un peu mieux. Abruti.